Soyez les bienvenus à toutes et à tous dans ce temple de Thionville, dans ce dimanche magnifique et ensoleillé. Bienvenue à vous, messieurs le maire, mesdames et messieurs les élus. Bienvenue à vous tous pour ce concert du jubilé de la réforme. Il y a 500 ans, le 1517, un moine augustinien martin Luther affiché sur la porte de l'église de Wittenberg, c'est 95 ans, et c'est le début de la réforme protestante. Et je précise que, au départ, Luther ne voulait pas créer une autre église, mais les événements ont fait que cette loi a été tracée par Luther. 500 ans de la réforme, donc, qui est commée ou dénommée partout dans le monde, et qui a commencé par cette rencontre, le 31 octobre 2016, avec le pape François et l'église luthérienne de Suède à Nantes. C'est dire que cette commémoration du 500e anniversaire de la réforme, c'est une, en quelque sorte, commémoration commune ouverte. Ouverte, mais pas limitée seulement au cercle protestant, beaucoup protestants et de catholiques commémorent ce moment. Car Luther, la pensée de Luther dépasse ce cadre de milieu protestant. Luther était un grand penseur, un grand théologien qui a influencer beaucoup de monde. Et ce n'est pas la mémoire d'une personne qu'on vénère, mais l'acte de Luther qui a ouvert cette voie, la liberté, une voie pour aussi la liberté de vivre, de penser, de célébrer et aussi de vivre à sa foi, tout simplement. Ce concert, donc, est un des concerts aussi, parmi tant d'autres, dans Moselle surtout, il y aura un autre concert pour l'Alsace. Et ici aussi, en Moselle, je donnerai quelques informations tout à l'heure, mais un grand chaleureux bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à ce concert que nous allons vivre ensemble, et on est déjà là. Monsieur le maire a dit que ça va chatouiller aux oreilles. Et j'espère que tout le monde va vivre ce concert dans la joie d'être ensemble, mais aussi surtout dans la fraternité et dans la convivialité de ce moment que nous vivons ensemble ici dans ce temps de cet après-midi. Merci à vous d'être venus. Vous avez vu que le programme est assez riche. Merci. Et pour ouvrir ce concert, nous allons essayer d'accueillir l'ensemble de M. Jackie Christophe,